voilà. Est-ce qu'on changerait pas de coupe de cheveux? Elle est encore là, Micheline? Ah non, elle dort à cette heure-là. Vous savez quoi? On va méditer quelques heures. En plein milieu de la rue. Je vois pas le problème. Micheline! Ah, marchandon. J'ai plein de trucs à vendre. Enfin plein. C'est pas la grosse fête, mais... Mais quand même. Alors... Une natte de nain. Il y a l'autre marchand. Sabera empoisonné. Oh là là, c'est nouveau ça. 30-34. C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse du tout. Hein. Ça parce que j'en ai jamais. Alors, t'as réfléchi? Je sais pas. Regardez mes articles, moi je vais jeter. Oui. Il me faut combien de cuir durci? Il faut 6 cuir durci et 14 tissus résistants. J'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent, mais je peux peut-être lui vendre des choses, même si j'ai plus grand chose à vendre. Lui, il vend quoi d'ailleurs? Pièges à harpies. Tout le monde vend des pièges à harpies maintenant, comme par hasard. Et tu vends pas de cuir durci? C'est embêtant. Ah mais en vrai je peux demander à Vivaldi, enfin au nain, ouais, qu'il me fasse un prêt. La garce, quelle idiote. Régalez-vous, sorceleur. Philippa Eilhart s'est fait berner par une salope de Nifgardienne. Je vais la retrouver et me la faire comme jamais. Elle en voudra à sa mère de ne pas avoir avorté. La rose de souvenance a disparu. Pas du tout. Dans la précipitation, cette vipère de Cynthia a laissé son bric-à-brac dont... Ah, voilà. La rose de souvenance de Triss Merigold. Mais le temps presse, Geralt. Cette fleur fane. Alors qu'est-ce qu'on attend?
Eh ben on attend d'avoir... Ah bon, on a tout? On a tout, sérieux, trop bien. Et j'ai repris un niveau, quoi. Et ça... Non, j'en ai repris deux. Oh là là. Quelle générosité. On n'a jamais augmenté la magie. Hein. Dégâts infligés par les signes, machin. Dévoile le niveau 11 du signe d'Ard. Le niveau 11, comment ça? Ah non, le niveau 2. Deux mètres pour le signe. Tegni, il est tellement loin. Attraction létale permet jusqu'à deux alliés temporaires avec le signe d'Axie, ouais. Déverrouille le signe d'héliotrope, activé une fois la jauge d'adrénaline chargée. Permet la production d'adrénaline et par l'utilisation des signes. Ah ouais. Intéressant. Putain, Igni amélioré. Quen, je m'en sers pas beaucoup, mais ça peut être intéressant. Genre, quand t'es empoisonné, tu génères de l'adrénaline. D'accord. Ah, ça veut dire quand le poison de l'intoxication, en fait. Hein! Intéressant. Ah ouais, une potion supplémentaire. C'est fou ça. Très bien. Vous voulez discuter? À vous, magicienne. J'ai tout ce qu'il vous faut pour sauver Saskia. Allons, au travail. Scoia'tael, écartez-vous. Ma magie préférée, la lesbomancie. Quel est votre nom? C'est Sente. Votre nom, quel est-il? Saskia. Vous rappelez-vous ce qui est arrivé? J'ai été empoisonnée. Quel jour sommes-nous? Et la bataille? Enselt et son armée? Du calme. Vous l'aurez, votre bataille. Je dois partir et annoncer que vous êtes de retour parmi nous. Vous m'avez sauvée? Avec Philippa. Merci, Gérald. Je vous revaudrai cela. Avez-vous réussi à lever la malédiction? Non. Mais nous nous apprêtons à essayer. L'épée de Vandergrift, c'est l'une des porteuses du pouvoir. Vous auriez dû la prendre. Ce n'est qu'une simple épée pour moi, un tas de ferraille. Philippa était seule autorisée à s'approcher de vous, et les Scoia'tael lui ont défendu de prendre l'épée. Je lèverai la malédiction au plus vite. Pourquoi m'aider? Les malédictions, c'est mon domaine, ce n'est que mon travail. Je suis sorceleur. Les malédictions, je connais. Je vois. La fameuse neutralité. C'est ça. Par ailleurs, une révolution ne peut être que vouée à l'échec. Règle fondamentale. Aucun idéal ne mérite qu'on meure pour lui. Je comprends. Bon courage pour la malédiction. Et merci encore.
Et de rien. Ouais. Je me sers. Hein. Je suis un peu raide en ce moment. Alors, je n'ai que deux artefacts. Va pas trop loin, Philippe. Vous voulez discuter? Je suis prêt à lever la malédiction. J'ai les artefacts. Ah oui, si, les deux autres, elle. J'ai besoin de votre aide pour réussir à trouver les bons fantômes. Eux vous trouveront. L'aura des artefacts les attirera. Laissez-les penser, parler, agir. Alors vous saurez que faire. Geralt, il y a autre chose. J'ai balayé le champ de bataille et j'ai trouvé le fantôme du visiteur. Il est différent des autres. Il a changé. Un drogue. Je m'y attendais. Bonne chance, sorceleur. Ouais, parce qu'en fait, il nous fallait que la moitié des objets, elle allait trouver l'autre moitié. Ok. Eh bien, let's go. Let's go la bagarre. Comment va la vie? Bah, la vie, ça va. C'est bien par là, hein. Oui. Oui, mon médaillon touche à mon pénis, je sais. Mais c'est pas grave. Ah oui, ça rame. C'est vrai que ça rame ici. Faut tout charger. Le jeu n'aime pas trop. Oui, donc ici, normalement, en fait, la quête de la succube, ça nous aurait amené jusqu'à son repère, et on aurait dû sauver Jaskier, qui était tombé, eh bien, amoureux de cette succube, et on aurait pu la pécho. Malheureusement. Malheureusement, quoi. Prendre ça. Ça aussi. Le cauchemar de Baltimore. Cette chaleur, bel automne. On aura des fruits en profusion. Ce n'est pas nous qui les cueillons, mais c'est vous qui allez cueillir les têtes ennemies. Il n'y a pas de temps à perdre. Tuez ces chiens de Kenwen! Non, ce n'est pas l'heure. Parfois, j'oublie le premier bâton. Les rois puissants doivent faire la guerre. Alors pourquoi Demaven et Ensel ne règlent pas leur compte en duel? Mon beau-frère vient de Kenwen, c'est un gardien. Une fois, je suis allé au marché là-bas. On m'a vendu de bons produits, et moi, cher fils. Les Kedweniens sont tous des rivaux. Vous savez ce qu'ils feront à nos femmes si nous perdons? Vous avez oublié qu'ils sont venus brûler et piller nos terres? Et nous devrions les laisser s'en tirer? Fils de garce! Attrapez-les! Non, attendez le signal. Pas de temps à perdre. Silence! Archers, allumez vos flèches. Visez le premier barrage. Attrapez-les! Capturez l'étendard ennemi! Oui, les harpies, c'est fini. Le cauchemar de Baltimore. Ah oui, ça y est, on change de chapitre.
Yes. L'ennemi tient notre étendard. On se fait tirer comme des lapins. Nous avons été pris en embuscade. Il nous faut des renforts. Transmets au commandant. Qui? Moi? Non, la princesse Syphilis. Bouge, imbécile, avant qu'on soit tous taillés en pièces. N'y arriverai pas. C'est ma première bataille. J'ai tué mon premier homme. Ce sang sur mes mains. Ok, il faut éviter les flèches. Je crois que c'est lui. Seigneur, la manière dont il m'envoie, il y a eu une embuscade. Nous ne tiendrons pas. Est-ce qu'un de vos éclaireurs montait la garde, capitaine? Oui, commandant. Ils ont dû opérer de nuit. Rien n'a été signalé dans la journée. Dame Glévisic veillait la nuit avec sa magie. 10 coups de fouet à tous. Et qu'un tiers soit pendu. Il nous faut des renforts. Il n'y aura aucun renfort. Il vous faudra tenir. Et vous, Glévisig, je réglerai votre compte plus tard. Le roi aura vent de votre incompétence. Ce sont les commandants qui gagnent ou perdent les batailles, non les magiciennes. Moi aussi, je ferai un rapport. Et... Fin de la discussion, sorcière. Allons gagner cette bataille. Soldats, à vos étendards! Officiers, au combat! Détrompez-vous. Cette discussion est encore loin d'être terminée. Je peux vous aider, Sabrina? Ma place auprès d'Enselt est menacée. Qui plus est, si Vandergriff gagne cette bataille, rien n'empêchera Enselt de prendre le haut et dire. L'équilibre du pouvoir dans le Nord sera rompu. Que pouvons-nous faire? Je vais invoquer le feu de Melgar, tuer Vandergriff et affaiblir les deux camps. Le recours à une telle arme risque d'être sévèrement condamné. Je sais, j'en suis consciente. L'hégémonie d'Enselt est contraire au projet de la Loge. Très bien, nous vous aiderons. Mais n'oubliez pas, en cas d'échec, vous êtes toute seule. Je suis fin prête. C'est tout.
vous. Vous mourrez bien vite, comme des vers sous mes bottes. Y a-t-il un Kedwenien à la hauteur de Selkir de Guleta? Eh, sympa son armure. Bon, lui, il est moche. Hein. C'est un peu... C'est un peu de sort Daniel Fortesque. Hein. Pas passer l'occasion d'un duel avec Vanderhift. Il va te tuer. Selkirk ne craint pas la mort. Si tu trépasses, tes soldats mourront tous les jours, sans fin. Va-t'en. C'est un boulot de sorceleur, pas de chevalier. Je le fais pour mes hommes. Allez, on va changer le passé. N'importe quoi. Ça, trébuchet, n'importe quoi. Ça va pas se passer comme ça. D'accord. J'avais le temps. Les magiciennes sont retournées pour les hommes. Les magiciennes, les
Et après, on attend gentiment la mort. Je vous guiderai comme un berger guide son troupeau à l'abri d'un sort funeste. Ok, bah go hein. Cessez le feu. Nos hommes tombent comme des mouches. Sabrina, est-ce votre œuvre? Que vos troupes continuent d'avancer, Altesse. L'armée aédirnienne est en déroute. Elle n'est pas la seule. Regardez ces hommes terrifiés. Ce matin encore, c'était mes meilleurs chevaliers. Avec du renfort, ils s'en sortiront. Qui vous a permis d'utiliser la magie? Frappez maintenant, et la basse marche est à vous. Vous avez souillé mon honneur, causé la mort de mes chevaliers. La bataille était perdue. Vous m'avez humilié devant Demavend. Les troupes se sont battues avec honneur. Sabrina Glevisig, je vous condamne à mort. Vous brûlerez sur le bûcher. Je reviendrai. Je reprendrai mon dû. Juillet 1270. Les forêts d'Angraine. Aucun mortel, aussi puissant soit-il, aucune montagne de muscles ne pourra parer le coup de queue de la Margouillas. Leto ne pouvait pas réussir, mais il a survécu par miracle. Je l'ai aidé. Après tout, les sorceleurs doivent s'entraider sur le sentier. Il avait deux compagnons, des frères d'armes de l'école de la Vipère. La chasse poursuivit vers le sud, mais Leto de Gouleta savait où elle allait. Il savait où cette course infernale finirait. Ah, enfin réveillé. Est-ce l'au-delà, ou ai-je des hallucinations? Si c'était l'au-delà, je n'y serais pas. Comment ai-je atterri ici? N'oubliez pas que les magiciens ont leurs propres moyens de transport. Dans ce cas, merci pour votre aide. Vous avez trop de valeur pour qu'on vous laisse mourir. En vous attaquant à une malédiction aussi puissante, vous avez accompli l'impossible. Vous ne m'avez pas dit que c'était du suicide. Je n'ai jamais cessé de croire en vous. Racontez-moi ce qui s'est passé. J'ai vu Henselt condamner Sabrina à mort. J'ai tué le Draug. Certainement, puisque la malédiction a disparu. J'ai vu Vandergrift, des grêlons de feu, et la mort autour de moi, de toutes parts. Henselt est un criminel. Il s'est servi de la situation pour tuer Sabrina. Il la détestait. D'où votre alliance avec Aedirne, pour vous venger? Ce n'est pas la vengeance qui m'anime. J'aspire à un monde meilleur, sans Henselt. C'est une utopie. Ça éclaircit les esprits de passer par une force si concentrée. Cédric disait vrai. La bataille des spectres agit sur la mémoire. Que vous êtes-vous rappelé? Leto, l'assassin de Foltest. Je lui ai sauvé la vie, et il m'a aidé à rattraper la chasse sauvage. J'ignore si nous avons sauvé Yennefer. Avez-vous appris autre chose concernant la chasse sauvage? Lorsque j'ai tué le roi de la chasse, j'ai tué un spectre. Il agonisait comme tel. Dans mes souvenirs, je combats les cavaliers de la chasse. Ils pissent le sang et crient de douleur. C'est-à-dire que vous ne savez toujours pas tout? Pas encore. La malédiction n'est plus, mais le danger subsiste. L'armée d'Henselt est sur le point d'attaquer. Comment va Saskia? Entièrement guérie. Elle a hâte d'affronter Henselt. Elle commandera personnellement la défense de Vergen. Elle sera dans son élément. J'en doute. Cette situation est une première pour elle. Vous la sous-estimez. N'oubliez pas, elle a des alliés. Un sorceleur,
et moi. En levant la malédiction, j'ai peut-être aidé Henselt et m'y aidé en danger. Mais je n'avais pas le choix. Il faut parfois amputer la jambe pour sauver le corps. Il est temps d'achever cette guerre. Il est grand temps. Zoltan et Yarpen préparent les troupes. Ils vous attendent. Yes. Alors, bon, en vrai, au niveau du journal... Ah oui, donc oui, les quêtes secondaires, elles ont été annihilées. En même temps, j'en ai pas beaucoup, en vrai. Les murs ont des oreilles. Je sais pas du tout où il est. Pour survivre à la bataille. Oh Dieu, prêtez-nous force et protection au combat. Nous ne demandons pas la victoire. Mes armes, s'il vous plaît. Ah bah dis donc. Quelle arnaque. Trophée de drogue. Vitalité plus 55. Oui. Merde. L'armure de Selkirk. Oh là là. J'enfile juste pour voir comment elle est. Négociateur. Où est-ce qu'il a appris à négocier ? Ah bah oui, oui, bah c'est son armure. Après, les armures se ressemblent pas mal, mais en même temps, bon. Il y a une certaine logique, hein. Je me sens mieux avec mes armes. Je me sentais tout nu. Les Crétoiniens approchent! Courez au port! Putain, c'est des Sentai! C'est Chroma Squad! Petite sauvegarde rapide quand même. Et ils ont rangé les étals. Zoltan, prépare la défense de la grande porte. Je coupe. Alors comme ça, tu es général, Zoltan. Et pourquoi pas maréchal, plutôt. Saskia s'est mis dans la tête que ce serait Yarpen ou moi. J'ai gagné à la courte paille. Enfin, tu es là. Henselt ne devrait plus tarder. Pourquoi ? Il serait déçu de ne pas me voir ? Il déprimerait énormément, oui. Henselt est un chef de guerre expérimenté. Expérimenté, mon cul ! Quand ils seront devant nos murs, on les aspergera d'huile bouillante et on les fera rôtir. Fais ce que t'as à faire, et les têtes kédouéniennes tomberont comme des mouches. Kédouéniens, on approche ! Ils se sont multipliés ou quoi? C'est l'heure du bain d'huile bouillante. Il y a les valves sur le côté des chaudrons. Il faut les ouvrir. Je prends le côté gauche, toi le côté droit. Ça marche. Ébouillanter des mecs. Bonjour. C'est leurs culs qui vont nous arroser. Et voilà. Ah, je tente. Ah,
Eh, salut, hein. L'XP, hein. On se replie derrière la deuxième porte. Sinon, ils vont tous nous tuer. Repli. On vous attend. C'est génial ça. C'est génial. J'adore. On a repoussé les Kedweniens. Ils n'abandonneront pas si facilement. Puisqu'ils sont bêtes comme leurs pieds. On va leur faire bouffer les nôtres. Putain, je peux vraiment faire ça? Bon, c'est peut-être un peu overkill, hein, mais...
Je prends pas le talent tout de suite. C'est tellement bien. Vous savez, c'est comme dans Assassin's Creed Odyssey où vous avez pas envie de vous battre et du coup vous mettez que des chassés en bord de falaise. Ou dans Star Wars. Les Stormtroopers ils vont un peu saouler. Oh là là! Ah, sont cool ces techniques. Ces vauriens à déguerpir, ça valait le coup. Ils reviendront. Ils sont aussi têtus que des nains. Les burnes en moins. Sorceleur, j'ai besoin de votre aide. J'entends ça de plus en plus souvent. Il semble que vous soyez irremplaçable. Sous la ville, un passage souterrain relie le donjon aux mines des nains. Qui connaît ce passage? Pratiquement personne, mais je veux le protéger au cas où. J'ai envoyé un détachement d'éclaireurs, mais aucun n'est revenu. Si Ensel te découvre ce passage, il nous tient. J'y vas pas par quatre chemins. S'ils attaquent des deux côtés, nous ne tiendrons pas. C'est le bon moment. Les lavettes d'Ensel sont en train de panser leurs blessures. Il leur faudra environ une heure pour reformer les troupes et préparer un nouvel assaut. Le temps presse, je viens avec vous. Vous ne devriez pas venir, c'est dangereux. Et alors ? Depuis quand ai-je peur du danger, sorceleur? Les défenses sont très faux. Tout le monde est à son poste. Et puis, nous serons de retour à temps. Je préférerais que vous me confiez un détachement. Je ne réorganiserai pas les troupes maintenant. Telle quelle, la défense est solide. Et à moins qu'ils ne nous attaquent par les mines, nous maintiendrons la position. Soit, c'est vous qui décidez. Vous m'étonnez. Je croyais que la politique n'intéressait pas les sorceleurs. Je me fiche de la politique. Mais vous avez pris parti. Le parti de Zoltan. L'armée, là. De Yarpen. C'est tout. Vous les auriez suivis. Faut croire qu'on a du mal à se reproduire. Aucun nain ne suivrait Enselt. Bon, deux secondes, madame, parce que là, j'ai quand même des talents à prendre. À un moment donné, il faut quand même être... Il faut quand même, quoi. Alors... Axie, c'est cool aussi, hein. Voilà. C'est bon, je suis tout à vous. On est très bien là-haut. On vous réserve un bel accueil. Approchez, ouais, sale cafard. Forcément. Venez rencontrer le cafard de Sheldon Skax en personne. Sheldon. Ah bah oui, la mine, c'était là. Non, ça c'est la... C'est l'auberge. En tout cas, l'attaque ultime, là, c'est vraiment cool. Hein. C'est vraiment des bonnes animations. Ça me rappelle un peu Assassin's Creed 3. Et les contres contre plusieurs ennemis. Petite sauvegarde rapide. Je prends les bancs. Restez derrière moi, Saskia. Un sorceleur galant,
Encore une surprise? C'est le monde à l'envers. Évidemment, les mercenaires. C'est génial. J'adore ce truc. Et ça, il n'y a pas dans The Witcher 3, hein, je crois pas. Hein. Pas d'attaque ultime craquée. Viens, mais où va? Où tu vas? T'es trompé. T'es trompé. Sire, nous arriverons bientôt à Vergen. Vous allez les prendre par surprise. Bonjour. Vergen est en danger et la Vierge d'Eidirne court les grottes avec un sorceleur. J'en connais une qui a envie de se faire déflorer avant de mourir. Tuez-les. Ça, je m'en rappelais pas. Je savais les femmes volatiles, mais à ce point... Désormais, vous connaissez mon secret. Il le fallait. Il vous aurait tué. Un dragon est apparu pendant le siège du château de La Valette. J'ai aidé Ariane de La Valette. Pourquoi ? Il se battait contre la tyrannie et ses transgressions. J'ai compris sa cause. Il aurait pu être utile à Vergen. Qui d'autre sait ? Detmold. Je parle d'alliés. Yorveth ? Yorveth a inventé cette histoire de tueuse de dragons. Edir n'avait besoin de quelqu'un comme moi. Et d'une légende qui allait avec. Il avait raison.
voilà pourquoi vous avez réussi à combattre cette toxine. Philippa est une grande magicienne. Mais elle n'aurait pas pu sauver une humaine. Vous en savez beaucoup sur nous, sorceleur. Seuls les dragons dorés peuvent changer de forme. Eh oui. Mon père était un noble chevalier. La vie était pour lui une magnifique aventure. Il adorait les humains. Il aspirait à les comprendre. Grâce à lui, je crois en l'égalité de tous les hommes. Et en leur liberté. Mon père disait que l'ordre et le chaos emplissaient le monde. Que le chaos était une agression. Et l'ordre sa parade. Que lui est-il arrivé ? Il m'a appris à vivre parmi les humains. Puis il est parti. Les dragons font ça. Si un dragon aidait les défenseurs de Vergen, Enselt n'aurait aucune chance. Oui, j'y ai pensé. Mais qu'adviendrait-il du haut et d'Irne une fois le calme rétabli ? Vous ne pouvez pas tout prévoir. Vous savez comme moi comment on traite les monstres. Mais si Vergen tombe, vos idéaux seront réduits à néant. Peut-être valent-ils ce sacrifice ? Supposons que je révèle ma double nature. Qui dirigera le Wedirn ? Qui verriez-vous pour me remplacer ? Difficile de rivaliser avec vous, Saskia. Les nains auront leur candidat, les elfes le leur, et les humains chercheront un roi. C'est pourquoi je dois vous demander de garder ce secret pour vous. Nous devons affronter Enselt sans dragon. Et nous gagnerons. Grâce à vous également. Je n'oublierai pas ce que vous faites pour Edirne. Peu importe vos raisons. Allons, les défenseurs ont besoin de vous. Mais d'abord, il y a du loot. Clé des catacombes ? Comment ça ? Comment ça ? Ah, c'est peut-être lié à une quête que j'ai pas pu faire. Donc t'es un dragon. Bien soit. Un dragon doré. Ça n'est pas rien. J'ai mon ultime qui est déjà chargé quasiment en plus. Et ça, c'est bien. Dites-moi, Zoltan, où en sommes-nous ? On commence à s'amuser. Enselt est en chemin avec son troupeau. Nous allons gagner. C'est tout ? Ah ! On a des invités surprise ! Qui ? L'un d'eux est une demoiselle. Un sacré laidron ! Il y a du monde au balcon ! Vous auriez dû voir la tête de nos hommes quand ces horreurs sont entrées dans la cour. Et pourquoi veulent-ils nous aider ? Sorcier bon ! Ennemi de sorcier et ennemi de troll ! Je les connais. Ah, d'accord. Ils peuvent être utiles. Après tout, nous voulons un monde sans préjugés. Quand les hommes ont appris qu'Enselt mènerait personnellement l'assaut, ils en ont pris un coup au moral. Zoltan, dis-leur que s'ils ne croient plus en la victoire, ils n'ont plus qu'à hisser le drapeau blanc. J'ai essayé, mais en vain. Seul Saskia sait motiver ses troupes. Très bien. Rassemble les défenseurs, Zoltan. Pourquoi ce silence ? Réjouissez-vous ? Le roi Enselt va nous faire l'honneur de sa présence. On va tous mourir ! On repoussera pas l'assaut. Enselt est invincible ! Nous ne combattrons pas des laquais, mais le roi. Le roi en personne devra reconnaître notre victoire. Que peut-on rêver de plus que de vaincre un monarque ? À moins que vous n'ayez peur. Vous voulez qu'on hisse le drapeau blanc ? C'est simple. Enselt établira vite ses règles ici. Les auberges afficheront « humains seulement ». Les nains seront dans les mines, les elfes cachés dans les bois. Les seigneurs tueront les cerfs qui ne se courberont pas assez. Est-ce vraiment le monde que vous voulez léguer à vos enfants ? Non ! Jamais ! Vous vous pissez dessus parce qu'Enselt arrive ? Mais qui est-il ? Un dieu ?
Non. Il a des bras, des jambes et du sang, comme vous et moi. Et s'il ose passer ces murs, alors nous devrons le faire couler. Oui ! Mort à Enselt ! Longue vie à Saskia ! Certains d'entre vous ne passeront pas la nuit. Certains ne reverront pas leurs femmes, leurs enfants, leurs amis. Mais ils resteront dans notre cœur, et nous honorerons leur tombe quand ils rejoindront la Terre. La Terre des Dirnes. Et ceux qui en réchapperont vivront la tête haute, car c'est ainsi que la vie a du sens. Aux armes et aux murs, donnons une vraie guerre à Enselt. Ah. La Puerta. Ouais, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup, mais on a le signe de Hard qui est beaucoup trop fort. Voilà. Elle a dû nous aider, Philippe. Ah bah c'est pas trop tôt. Terroristes, assassins et squad de la mort. Ou combattants de la liberté engagés dans une bataille inéquitable digne dans leur souffrance. Tout dépend du point de vue qu'on adopte. J'ai aidé Yorvet, je lui ai fait confiance. J'ai rejoint Saskia et pris le parti des rebelles, de leurs idéaux et de leurs valeurs nouvelles. Le temps nous dira si j'ai eu raison. Une chose est sûre. Les elfes sont les meilleurs archers que ce monde ait porté. Yorvet, ça c'est une entrée réussie. Je dois l'admettre, l'écureuil a du style. Je n'ai pas perdu. Nous devons empêcher Enselt de s'échapper. Qu'est-ce que vous racontez? Il a plutôt l'air de se plaire ici. Il va changer d'avis. Rejoignez Yorvet et fermez la grande porte. Yarpen dit que Tethmold l'a cassé. Yarpen n'y connaît rien. Ouvrez-moi! Je vais fermer cette satanée porte. Issue de la bataille en dépend, cher nain. Aucun problème. Nulle porte ne saurait résister à Zoltan Shiver. Eh bah ok. C'est où les trolls, ils se battent en bas? Ah oui, d'accord. Effectivement. Bah vas-y Zoltan, on y va. Zoltan, évidemment. Remontez l'échelle. Maintenant, Yorvet,
Nous devons atteindre la Grand Porte. À vous. Tu croyais que je n'allais pas revenir, Wilner. Tu es atrocement doué. Nous devons empêcher Enselt de battre en retraite. Et puis le forcer à essayer. Pas de temps à perdre! La porte! Bon, Zoltan, tu viens? Oh, on gagne des niveaux à plus savoir qu'en faire. Voilà. Ils sont faits comme des rats. Peut-être se rendre. Sire, vos ordres. C'est terminé, Enselt. Vous avez gagné. Que voulez-vous ? Vous le savez très bien. Renoncez à Edirne. Signez un acte de reddition inconditionnel. Et promettez que vos troupes ne traverseront plus le Pontard. C'est tout. Vous paierez la reconstruction et reconnaîtrez le royaume libre du Haut-Edirne avec Saskia de Vergen à sa tête. Qu'advient-il de moi et de mes hommes ? Que nous réservez-vous ? La liberté. C'est un bien très précieux. Voyez combien de mes soldats sont morts pour le défendre. Combien voulez-vous ? Nous parlerons argent en détail à Lokmun, en présence de témoins de valeur. Saskia n'a rien évoqué pour l'instant. Je vous écoute. Les guerres existent depuis la nuit des temps. Un camp gagne et l'autre perd. Mais les conflits armés devraient suivre des règles et des lois nobles. Où voulez-vous en venir ? Les criminels de guerre comme Detmold doivent être punis. Il me faut un conseiller. Les criminels de guerre doivent être punis. Vous aurez un nouveau conseiller, Sheila de Tancarville. La sorcière a perdu la tête. C'est une condition nécessaire. Detmold a commis un crime. Il doit être puni. Comme vous voulez. Exécutez-le. Ne les laissez pas me traiter comme un chien. Et l'on de plus trace. Vous allez voir comment meurt un vrai magicien. Prêtez serment. Comment c'est rapide. Avec qui suis-je censé négocier ? Philippa Eilhart et moi parlons d'une seule voix. Prenez garde aux magiciennes. Elles oublient vite ce qui commande. Philippa est ma conseillère. Nous attendons votre décision. Moi, roi Enselt de Kedwen, jure devant témoin que je renonce aux frontières edirniennes. Je reconnais le règne de Saskia de Vergen sur le royaume de la vallée du Pontard et jure de payer la réparation de guerre qui sera fixée à Lokmun. Vous êtes libre. Raccompagnez le roi. Il est l'heure, Saskia. Oui. Je n'aime pas ça. Quoi ? Saskia, je la connais. Elle n'était pas comme ça avant. Ses yeux. On dirait qu'elle a pris du fistec. Pourtant, je sais qu'elle n'en prend pas. Suivons-les. Alors, suivons-les, non, parce que il est temps de s'arrêter. Ah, je sais. Trop de suspense. Je vous fais des bisous. Et à la prochaine. Salut.